Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Districtement Habitat, votre rendez-vous quotidien 100% virtuel et 100% habitation. C'est produit par la PCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Centura, également en collaboration avec la PDIQ. Trois invités ce matin, on va jaser, on va se concentrer en fait sur la rénovation, la construction, mais vraiment sous la loupe d'un designer, d'une designer dans ce cas-ci, et également de notre entrepreneur invité, Marie-Christine Dubé, designer d'intérieur certifiée APDIQ, donc l'exercice quotidien pour moi, Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec. C'est bien voilà. Ça? J'ai réussi. Bonjour, merci beaucoup. Enchantée, bienvenue. Également, Isabelle Léveillé, spécialiste en formation et design chez Centura. Centura, bienvenue Isabelle. Merci, bienvenue. Nicolas, moi j'ai eu la chance de te rencontrer, Nicolas, entre autres tu as participé à l'émission Combien vaut cette maison? Oui. Pour nous, Nicolas, c'est un éco-entrepreneur, ton nom de famille, là, je dis Nicolas parce qu'on connaît Nicolas Giroir, et le truc chez Nicolas, c'est qu'il a un mur d'escalade, donc on a pu aller visiter cette transformation assez spectaculaire et qui fait rêver l'enfant à nous, Nicolas. Mm-hmm. Donc, allons-y! Au départ, parce qu'il y a plusieurs étapes, évidemment, quand vient le temps de transformer notre maison, rénover, décorer. Quels sont justement les types de projets qu'on rencontre pour une rénovation ou une transformation résidentielle? D'abord, on va avoir évidemment le client qui veut avoir tout simplement une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain. Mais il y a aussi les agrandissements, il y a aussi la rénovation complète d'une maison après l'achat d'une nouvelle maison. Mm-hmm. Il peut avoir aussi tout simplement une transformation majeure parce que on a une maison qui a fait son temps après 20 ans, les enfants sont partis. Qui a besoin d'un petit coup de nouveau, mettons. Absolument. Puis également, Marie-Christine, on va avoir beaucoup, selon la région du Québec, du décloisonnement. Les gens veulent enlever les grands corridors sombres, donc beaucoup de retraites de l'air ouverte. L'air ouverte, absolument, ouvrir, enlever la petite porte, la fenêtre, mettre une belle grande porte patio, amener la lumière naturelle. Et évidemment, surtout si on est en milieu urbain, avec le coût du terrain, de venir creuser l'ancienne cave et de s'en faire des bons sous-sols habitables. Fait que ça aussi, je compléterai, là, Marie-Christine. Dans le cadre de mon travail, les rénovations les plus communes qu'on voit, c'est aussi simple qu'une entrée, que ça peut aller jusqu'à un centre d'achat. Donc, dans la maison, on fait toutes les pièces de la maison peuvent être rénovées. Puis spécialement en ce moment, comme on ne peut pas voyager, bien des rénovations, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est vrai que lors des derniers mois, il y a eu effectivement beaucoup, beaucoup de rénovations. Et donc, ça va du plus petit projet. Et il n'y a pas de trop petit projet. Par exemple, il ne faut pas que quelqu'un s'empêche de faire une modification dans sa maison en se disant « Ah, c'est pas assez, par exemple ». Je dis n'importe quoi, juste ajouter une petite entrée ou de refaire la cuisine. Absolument, parce que finalement, le designer d'intérieur va aller jusqu'à essayer de mettre, si on veut, l'habitat, donc la maison, vraiment à la main pour le client. Donc, on l'adapte pour lui. On vient mimer ce que lui, il est dans son intérieur. Donc, ça va commencer par l'entrée. Puis souvent, bien, ça va être une complicité qui va commencer là aussi. On commence par l'entrée. Puis 4 ans plus tard, on a refait toute la maison avec le client. Complicité qui s'installe avec le client, tu sais, pendant qu'on est là. Quelle serait la différence? Comment vous la voyez? Décorateur, designer, entrepreneur? Tiens, Nicolas, qu'est-ce que... Au niveau... on parle de petits projets encore où on est rendu... Ça peut être dans toutes sortes de projets. Comme le designer, qu'est-ce qu'il fait si on le compare à un décorateur? Oui. Mais est-ce qu'on dit ça, un décorateur encore? On l'utilise encore. Oui. Alors, clairement, j'aime bien l'image que c'est d'apprendre à danser le tango à trois. Parce que Beau défi, quand même. C'est un très beau défi. Ils ont qu'il y a beaucoup de pieds, là. Et on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pilés sur les orteils dans le passé parce que les histoires d'horreur de rénovation, tout le monde en a entendu parler par des amis, des proches. Ouais. Donc, danser le tango à trois, ce que je veux dire, évidemment, il y a un client qui a un besoin. Exprimé, non exprimé, pas toujours clair. Des fois très clair, mais des fois trop clair. Et évidemment, il y a l'entrepreneur qui veut réaliser, mais dessine-moi un mouton. On se rappelle le petit prince? Mais non, il est trop gros, il est trop petit. Et ce n'est pas mon mandat. Mon mandat, c'est de passer la poque, la rondelle, au designer, au concepteur, qui va traduire le besoin, surtout le besoin non exprimé du client. Et c'est vraiment, c'est important. Mm. Mon rôle à moi, c'est le marteau, c'est la réalisation, c'est la technique. Mais le concept, la proprioception de l'espace, il faut vraiment que je passe la poque
Je suis très québécois comme expression, là. Oui. Au désennuyeur. Mais on comprend, oui. Donc, là, si on veut, dans un très, très, très peu. Par exemple, moi, je décide que je veux refaire la salle familiale et je cherche à avoir des fauteuils agréables, une couleur agréable, peut-être remettre un peu de un petit quelque chose de plus autour de mon foyer. Je vais faire affaire avec une décoratrice parce qu'on vient de parler d'un intérieur très, très doux, très simple, puis où on va avoir un peintre qui va être probablement sollicité. Impliqué à son moment-là. Cependant, si je veux défaire un mur, je veux agrandir cette même salle, mais là, je vais aller vers le design d'intérieur parce que s'il y a une conception, comme Nicolas dit, et il va avoir une création là-dedans. Mais c'est sûr que le designer, lui, va aller chercher la substance à l'intérieur. C'est un peu psychologue, finalement, parce que la personne veut être bien chez elle. Oui. Donc, c'est ce qu'il faut aller chercher à travers vos questions, j'imagine, aussi, Isabelle. Hein, tout est dans l'approche avec le client. Effectivement. Moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de designers dans mon travail et des décorateurs. Je rencontre les deux. Et puis, la grande différence, c'est effectivement, les designers arrivent avec des plans, des modifications d'emplacement de pièces. Les salles de bain ont bougé de place et tout. Puis, ça me permet à moi de les accompagner dans leurs décisions pour la coloration. Donc, j'essaie de traduire ce qu'ils ont dans la tête, qu'ils ont pensé que le client a, pour le faire en vrai, pour que le contracteur puisse, l'entrepreneur, puisse l'installer. Oui, parce que contracteur, c'est le terme anglophone, en fait, contractor, mais on dit en français entrepreneur. Ça, c'était la petite chronique linguistique de la journée. Et la troisième catégorie de concepteur serait l'architecte. Alors, généralement, dans le résidentiel, l'architecte va être plus au niveau d'un agrandissement, d'une création, vraiment, surtout, je tourne ma langue, avec les spécificités de chacune des municipalités. Oui. On veut faire ci, on veut pas faire ça, on peut agrandir là, mais non, faut surtout pas. Et c'est vraiment l'enfer. Chaque municipalité est responsable d'appliquer une règle urbanistique, un look, un genre. Et ça, l'architecte va devoir aller affronter les dragons municipaux. J'ai-tu le droit de dire ça? Parce que ce ne sont pas tous les designers qui... Ce ne sont pas tous les plans de designers qui sont acceptés dans les différentes villes aussi. Absolument. Ça, ouais. Alors, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'ingénieur. Parce que le designer peut quand même... Ça fait monter la facture tout ça quand même. Là. Oui. En fait, il faut comprendre que ce sera soit l'architecte, soit l'ingénieur. Oui. En ce sens que le designer d'intérieur peut faire les plans et les agrandissements dans la plupart des temps. Mais il faut que ce soit authentifié ou... Oui, toute la structure viendra. Donc, il va y avoir une complicité là aussi. On va être rendu à quatre à danser, finalement. Oui. Donc, l'ingénieur va venir donner son saut, finalement, pour la structure. Ceci étant... le designer certifié à PDQ a tous les outils pour aller finalement vers le plan complet. Là. D'accord, mais ça prend le saut d'un architecte peut-être ou d'un ingénieur. Pour la structure. Pour la structure, voilà. Mais il n'est pas obligé d'être là tout au long du projet. Donc absolument. Ça, c'est un montant peut-être à prévoir si on se lance justement dans des gros travaux de structure. Alors, OK, ça c'est beau. Maintenant, si je vous demande quelles sont les étapes cruciales. Quelles seraient les étapes cruciales d'un projet? Ce n'est pas un concours, ni il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais selon votre avis, Isabelle. Évidemment, sous l'œil du designer, la plupart des clients, une fois qu'ils ont l'idée de faire des travaux, certains d'entre eux vont le faire tout seuls, mais à un moment donné, ils se rendent compte dans le processus que ça devient trop lourd pour juste une personne ou juste un couple de faire les travaux. Et c'est là où j'ai souvent des designers qui vont s'intégrer après un long processus de recherche des clients, puis qui voient la montagne des travaux à faire, que je vais avoir un designer qui va venir me rencontrer pour un projet. Habituellement, comment ça se passe, c'est que le designer vient faire une première recherche de matériel après avoir établi où est-ce que ses plans vont être. Et une fois la proposition acceptée par les clients, ben la commande est passée, puis là, c'est l'entrepreneur qui va rentrer en bout de ligne. Mais habituellement, designer et entrepreneur arrivent en même temps dans le projet parce qu'évidemment, on peut pas avoir juste l'idée, il faut pouvoir la réaliser après. Oui, je comprends. Puis, j'ai pu constater pour mon expérience personnelle à moi, c'est que parfois le designer peut arriver un peu plus tard alors qu'on a déjà débuté certains travaux. Mais c'est souvent mieux de commencer parce qu'on peut éviter justement des imprévus, les fameux temps cal, les temps... Bon, tu sais, tout ça. Alors, je vous vois réagir les deux. Je veux juste dire, parce que le designer, en bout de ligne, est là pour faciliter la tâche. Parce que nombre de problèmes qu'on peut éviter, mais c'est surtout le
temps qu'on peut sauver. Tout à fait. Parce que le nombre de connaissances qu'un designer, les relations surtout, font en sorte que les étapes vont juste... Plus rapidement. Exactement. Donc, oui, ben, vas-y, Nicolas, les étapes cruciales pour toi. J'aime bien dire à mon client qu'il y a trois règles de base incontournables. Un, planifier. Deux, planifier encore. Puis trois, planifions une troisième fois. Hey, c'est mon mot, tu me copies. Hein? Non, non, c'est moi c'est qui le dis le grand toujours. P, moi, c'est toujours le grand P. Ouais. Ah là, c'est les trois P pour ne pas se tromper. Là, oui. Parce que la première planification, qu'est-ce que je vais faire avec ce bâtiment-là? Oui. Parce qu'on ne va pas la remodeler, l'actualiser de la même manière si c'est pour vendre dans 5 ans, si c'est pour léguer à des enfants, si c'est pour louer. C'est de voir plus loin. Là. Oui. Et souvent, les gens me disent « oui, mais... je veux agrandir. Oui, mais c'est quoi le besoin? Ben, j'ai pourquoi? Besoin d'espace. Tout le monde agrandit, moi aussi. Oui. Le syndrome du voisin gonflable, un peu. Mais les trois règles de base, planifier, planifier, planifier. Puis je le vois tout de suite quand j'ai une personne devant moi qui a été accompagnée par un professionnel. Ça fait toute la différence. Je le vois, là. Puis j'ai des personnes qui sont très habiles, hein. Sur Internet, on peut aller chercher des plans, puis on peut faire nous-mêmes. Oui, oui. Mais le nombre de questions, on verra en temps et lieu, mauvaise réponse. Oui, oui. Ça devient du temps cap, ça va lui coûter une fortune de thérapie de couple. ou d'avocat. Oui, c'est ça. Et évidemment, on avance, on recule, improvisation mixte, et c'est l'enfer ça sur le chantier. Plus. Marie-Christine, qu'est-ce que tu ajouterais à ça comme pour les étapes cruciales? Mais tu vois ça je comment? Je dirais qu'il y a différentes façons de le faire, Saskia. Dans le fond, évidemment que la façon idéale, c'est dès le départ, un designer et un entrepreneur entrent dans le projet. Le plus facilement, souvent, je devrais dire, le client va avoir appelé un entrepreneur d'abord. Puis là, l'entrepreneur va lui dire « Oh, le projet, ça serait mieux que vous alliez vers un designer, donc voici, je pourrais vous en suggérer. Bon. » Mais souvent aussi, c'est le designer qu'on va appeler en premier. Et là, on va passer par un autre processus qui va être de vraiment aller chercher, encore une fois, là, jouer un psychologue un peu, là, mais aussi essayer de comprendre le client. Puis c'est bien dit, Nicolas, de dire il faut voir. Là, si on faut se poser les vraies questions. Absolument. Parce que c'est émotif aussi. Oui. Puis parfois, et moi, ça m'est arrivé récemment. Là, je dis moi, c'est pas nécessairement moi qui l'ai vécu, mais parce que les gens se confient à moi à cause de mon travail, puis les gens s'imaginent que je suis designer, entrepreneur, que je suis banquière aussi. Alors, je me fais poser toutes sortes de questions, et on se confie souvent à moi. Puis une âme me disait, elle dit, oh, je voulais tout changer ma cuisine, nanana. Puis la designer a dit, non, madame, vous allez garrocher votre argent par les fenêtres, vous avez un environnement. Puis j'ai trouvé ça tellement pertinent, au lieu de tout changer, absolument, juste faire des petites modifications. Aussi, au niveau de la décoration, ça peut faire du bien, mais on a dit, hey, OK, moi, je suis tannée, j'ai envie de changer un peu sans se lancer dans les grands projets. Et j'ai trouvé ça rassurant aussi que un designer, un professionnel n'est pas toujours là pour nous faire dépenser, mais bien pour nous accompagner, pour nous aider à prendre la bonne décision. Et ça, c'est la voie écologique aussi. Je saute sur le... Éco-entrepreneur, Parce que dans le fond, c'est aussi ça, être écologique. C'est aussi penser à demain, comment on économise, puis est-ce qu'on a vraiment besoin de ça. T'sais, j'aime ça. Dans le sens que, oui, ça se peut que vous vouliez avoir un agrandissement, mais est-ce que dans la maison, il y a déjà deux enfants qui sont partis, puis il n'y aurait pas d'autre chose à voir comment on pourrait le faire? T'sais, on pourrait agrandir peut-être par l'intérieur plutôt que par l'extérieur. Ouais. Puis on pourrait peut-être reprendre ce qu'il y a déjà, puis etc. Oui, puis des fois, il s'agit de déplacer un mur, enlever, puis déjà, on peut avoir une différence extraordinaire. Absolument. Donc, nous avons fait ça. Préparation des clients, c'est un peu ça, en fait, aussi. Donc, au départ, là, dans le grand P, préparation, planification, on ajoute à ça, pour faire une liste de ce dont on a besoin. Ça, je pense que ça peut être super important. Le calendrier aussi, de donner des dates, quoique, soyons honnêtes, avec ce qui s'est passé dernièrement. Beaucoup de matériaux n'ont pas été livrés, là, je ne dis pas à certains entrepreneurs, mais au Québec, littéralement, ou même au pays au complet. Alors, il y a les étapes dont on a préparé, on a parlé. Il y a la liste de besoins à faire, donc peut-être à penser avant le projet, calendrier de livraison, donc de se dire les dates. Le choix de professionnel de l'équipe. Donc, souvent, designer et entrepreneur, vous êtes habitués à travailler ensemble. Toi, est-ce que tu travailles avec des designers souvent? Ou vous travaillez avec des entrepreneurs, La majorité de mes projets, puis ça dépend vraiment de chaque entrepreneur, de par son type de travaux. Oui. Alors, si j'étais un entrepreneur qui ne fait que des salles de bain, bien, si le bain reste à la même place, si la toilette reste à la même place, souvent le client va aller vraiment juste
pour la déco. La plupart du temps, lui-même choisir ses articles esthétiques, hein, le robinetterie, céramique, etc. Alors que mes projets sont un peu plus d'envergure généralement, donc on fait une rénovation complète d'un rez-de-chaussée. Alors, à peu près tous mes projets ont designer ou architecte. Puis vous, le contraire aussi, vous êtes habitué à travailler avec des entrepreneurs, j'imagine. Oui. Plusieurs entrepreneurs, chacun a ses petites spécialités, spécifications. Mais évidemment que c'est cette complicité-là qui va faire le succès de notre projet aussi. Travailler conjointement, tout à fait dans le même but. Oui. Évidemment, le fameux budget, il faut le définir idéalement avant. Et ça, vous êtes là pour aider le client aussi. Oui, puis aussi prévoir. Jusqu'à quel point on va avoir des contingences, jusqu'à quel point il va avoir un surplus, parce qu'il va avoir des surprises dans tous les projets. C'est toujours 20%, puis souvent ça peut être plus. Il faut faire attention, je ne sais pas si tu voulais finir. Oui. Faut faire attention parce que le fameux buffer, hein, la contingence, c'est selon le type de projet et selon le type de client que j'ai devant moi aussi. Oui. À partir du moment où on a un rez-de-chaussée qui a été complètement dénudé, un strip en québécois, là, où on passe la charrue puis on fait 100% de l'électricité, 100% de la plomberie, 100% des ossatures, ben le coefficient surprise ne sera pas de 20 000 $. Et beaucoup moindre, oui, je comprends, parce que tout est refait. On va peut-être avoir 2-3 solives qui ont été massacrées avec un ancien plombier dans les années 80, mais outre ça, alors qu'à contrario, une petite salle de bain, je vais prendre un exemple, un budget de 20 000 $, c'est facile d'arriver avec 3-4 000 $. Parce que là, il peut y avoir des surprises. Irrégularité d'électricité, de plomberie, pourriture dans l'ossature des murs. Donc, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas dire « on va le faire plus tard ». Non. C'est ça, plomberie, électricité, moisissure, évidemment, que là, il faut régler le problème. Et surtout, mes expériences à moi, le coefficient contingence, c'est selon la préparation du client. Mon client qui a mijoté longtemps avec son designer, tu sais, la sauce à spag de nos grands-mères là, qui mijotait pendant des heures, là, elle avait de la texture, mais c'est la même chose avec un plan. J'imagine Marie-Christine, un client qui dit « Go, 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 ça me prend mon plan la semaine prochaine, puis je veux qu'on commence dans 2 semaines. » Il a oublié des trucs. Et tourbillon. Là, durant les travaux, c'est l'enfer. J'allais dire d'autres choses. C'est l'enfer. Il y a des « Ah, tant qu'à. Ouais, » c'est là, où ça grimpe. Ouais. 80% de mes défoncements de budget viennent du client, viennent pas de la maison. Ah oui, c'est le client qui décide d'ajouter. Oui. Ouais. Mais là, ça, il faut qu'il s'assume dans ce temps-là. Oui, même chicane. Puis là, son couple se chicane. Puis on étire le calendrier. Ah, ben ça, c'est une autre affaire. Et là, le designer devient l'intermédiaire. Oui, voilà. Mais là, je pense qu'on réplique. Vous devenez, comment t'appelles ça, le médiateur. Exactement. Le médiateur. OK. Donc, oui, ça peut arriver. Mais évidemment, il faut toujours, avec le grand P, en prévoyant, en planifiant, en parlant. Ça peut déjà aider énormément. Puis un des autres défis importants pour le client, c'est de traduire les différentes offres de services des différents entrepreneurs qui ont soumissionné. Alors, est-ce que l'entrepreneur va travailler à prix fixe, hein, un forfait, ou est-ce que l'entrepreneur va travailler à l'heure, à coût majoré? Mais surtout, la plupart des entrepreneurs, c'est des gars puis des filles de terrain qui aiment le marteau et qui n'aiment pas bien l'ordinateur. Donc, souvent, la soumission peut être assez succincte. Et là, ça, dans le résidentiel, le rôle du designer d'accompagner le client puis dire « Attends une minute, est-ce que la soumission qui a été remise par l'entrepreneur A, B et C, c'est sous les mêmes principes, sous les mêmes comparaisons, hein, des pommes avec des pommes, mais est-ce que tout a été inclus? Est-ce qu'il a bien compris? » Et ça, quand c'est écrit une ligne, deux lignes, 50 000... Peut-être aller chercher, aller pousser ça, là, oui. Étudier le mandat, bien étudier les estimations qui ont été faites, mais aussi regarder avec le client, est-ce que ça répond exactement à ce que vous vous attendiez? Puis, est-ce qu'il y a une espèce de belle complicité dans tout ça avec celui que vous avez choisi? Parce que si vous choisissez le plus bas soumissionnaire, mais que vous avez déjà en partant une nervosité à l'utiliser, mais écoutez, examinez
comparer, jaser avec. Il ne faut pas se gêner nous-mêmes comme clients pour poser des questions puis mettre les choses au clair. Isabelle, écoute, ouais. j'ai pas à commenter, mais j'ai une question parce que souvent dans le travail, si on me pose la question, mais combien d'entrepreneurs ou designers un client devrait rencontrer avant de prendre sa décision? Parce que souvent, j'arrive sur une job, comme tu as dit tout à l'heure, Nicolas, le client a déjà décidé lui-même de faire ses travaux. Comme c'était des petits travaux, il a choisi lui-même sa robinetterie, sa céramique. Mais là, ça lui prend un entrepreneur. Combien de soumissions il devrait se faire faire avant de prendre sa décision? La même chose qu'un designer, parce que encore faut-il qu'il en trouve un, parce qu'en ce moment, c'est très rare. Parce que dans les designers, c'est plus facile de trouver, parce que la plupart d'entre eux vont avoir des pages Facebook ou des sur les médias sociaux, des photos de leur projet, puis ils vont dire « Ah, ça me ressemble. » Mais un entrepreneur n'a pas d'idée, tu n'as pas une image de marque, tu fais juste réaliser l'image de marque de quelqu'un d'autre. Fait combien de soumissions on doit se faire pour avoir la bonne personne, puis qu'est-ce qu'on doit évaluer? Parce que souvent, je veux juste dire que quand on choisit un vendeur ou n'importe quel professionnel, on va y aller avec sa personnalité. « Ah, quand je lui parle, je m'entends bien avec lui. » Mais un entrepreneur, tu ne lui parles pas tant que ça. Ça serait surprenant de voir combien on doit parler. Pour répondre, évidemment, c'est du cas par cas. La première partie de réponse, est-ce que cet entrepreneur-là, et la designer, et la boutique, est-ce qu'elle a été référée par quelqu'un? Oui, le référencement est important. Référencement, c'est le nerf de guerre. Par contre, quelqu'un qui arrive dans un nouveau milieu de vie, il n'y a pas de référence. Hein? Les médias sociaux, déjà, connaissez-vous, l'avez-vous utilisé? Mm. Mais en général, je considère que 3 soumissions, soit en mode forfait, soit en mode coût majoré, va permettre vraiment de filtrer la personne. Fait que ça, surtout lorsqu'on parle d'un projet important là, financièrement, d'utiliser un seul entrepreneur, il faut qu'on soit très confiant au niveau de la référence. Mm-hmm. 3 entrepreneurs. Des fois, je vois des gens qui font 7, 8, et là, ils perdent On s'y perd à un moment donné. Puis Saskia, tu l'as dit, actuellement, en 2020, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a une pénurie d'entrepreneurs, et on a un surplus de gens qui veulent rénover leur domicile. Fait que c'est très difficile de trouver un entrepreneur. Faut se prendre d'avance cette année. Oui, disponible qui correspond à ce qu'on recherche là, comme souci du détail ou comme rapidité d'intervention. Il y a différents types de besoins. Allons-y avec quelque chose qui m'interpelle évidemment par mon travail avec mes émissions de décoration, mais est-ce que les tendances vont influencer les achats, les projets? Je pose la question, mais je sais bien que oui. Moi, je dis toujours que dans le monde de la mode, c'est pas parce que le rose flash est à la mode que je vais le porter puis que je vais l'aimer. Donc, comment ça fonctionne pour vous dans votre travail? Je vais commencer avec ce qui se passe en tendance pour nous en ce moment dans la céramique, c'est qu'on a une explosion d'éphémères. Il y en a de toutes les sortes. Puis les éphémères, ça peut influencer le prix de quelque chose dans le sens où souvent j'ai la chance de rencontrer des clients qui vont chicaner devant moi, puis moi, je trouve toujours ça drôle, parce que madame, dans le couple, va choisir la tuile qui coûte le plus cher dans le magasin. Mais elle choisit pas la tuile la plus chère parce que c'est la plus belle ou parce que c'est celle qui est de la meilleure qualité. C'est juste parce que c'est celle-là qui a le design le plus réaliste. Puis tu payes pour ce qui est beau. Puis en ce moment, le marbre, ça coûte cher comme effet. Fait que les tendances influencent les budgets. Sauf que le marbre va bien vieillir à travers le temps. Mais il y a des marbres qui vieillissent pas bien, par exemple. Parce que, tu vois, c'est ce que, si on regarde les designs de marbre, pour les designers, je sais pas si tu vis la même chose, Marie-Christine, mais c'est un peu comme quand on a eu le brun, les armoires brun chocolat il y a 10 ans. Il y en a eu tellement qu'on s'est tanné. Fait que si je vois une cuisine brun chocolat aujourd'hui, en plus de pas aimer ça, ça me date. Fait que je sais que le brun chocolat se vend pas, puis ça doit pas être les panneaux d'armoire qui coûtent le plus cher. Mais le marbre, si je dis que ça vieillit pas bien, c'est que si on utilise trop le statuario ou le calacatta, je dis dans 10 ans, on va pas plus l'aimer, même si c'est classique, même si c'est une pierre naturelle. Donc, il faut aimer, d'abord et avant tout, aimer ce qu'on choisit, et se propulser dans le temps. Comme tu disais tantôt, dans le fond, quand on fait des projets, OK, mais dans 5 ans, là... Oui. Et c'est la marque écologique qui vient encore le frapper, là. Oui. Dans le sens que si, oui, effectivement, on va aller vers quelque chose qui est plus classique ou qui va perdurer dans le temps, mais aussi, il faut regarder, est-ce que le client, il y a une possibilité pour lui de changer quelque chose qui va être rose bonbon, comme tu disais, dans 5 ans. Si c'est un mur, ça s'arrange, mais si c'est un mur de céramique, non. Donc, le côté écologique va être important ici, d'aller chercher toujours le... Mais ça ne veut pas dire que ce qui est tendance n'a pas sa place, dans le sens qu'il faut l'adapter toujours
à l'événement, donc au projet. Mmh. Puis ça peut être en plus petite dose. Absolument. Ça me frustre royalement lorsqu'un client me dit « arrache ma salle de bain ». Mais elle ne coule pas, elle ne fuit pas. Ouais, mais elle fait tellement 95, tu sais. Ouais. Et c'est un peu comme tu parlais du rose fuchsia comme les vêtements. Ben, tu ne vas pas t'acheter un tailleur rose fuchsia, mais tu pourrais prendre un foulard. Oui, on pourrait aller chercher dans une rénovation la même image. Le mobilier avec un look intemporel, bien construit, durable. Aller puncher avec des accessoires. Et un petit dosseret de céramique. On peut le changer, le dosseret, ça se fait bien. Aller créer le « wow », parce qu'on veut quand même que ce soit ludique, que ce soit la personne, mais le classique. Changer une céramique sous une cuisine, c'est l'enfer. Mm. Changer un dosseret, ça se fait bien. Fait que de travailler long terme, parce que, et au niveau économique pour le client, il va sauver de l'argent d'être long terme, mais pensons à la planète. Oui. Donc, la tendance, il faut le voir comme un bijou un peu, tu sais. Alors, il faut l'appliquer en petite dose, mais avec, tu sais, toujours en accessoire. Tout à fait, tout à fait. Mais je surfais sur la vague écologique. Étant donné la céramique, c'est pas une matière qui se recycle ici au Canada. Effectivement, il y a de moins en moins de gens qui rénovent juste pour changer le look. De mon côté, à moi, je le remarque moins. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous deux aussi. Mais il y a eu une période quand j'ai commencé à vendre la céramique il y a 20 ans où les gens changeaient juste pour changer parce que c'était plus beau, parce que justement, la mode avait passé. Maintenant, les gens sont de plus en plus conscients de l'impact écologique qu'a une rénovation, puis ils vont choisir les matériaux en conséquence, dont la céramique. C'est pour ça que là, en ce moment... si on parle de tendance, le blanc est toujours très à la mode, mais le blanc a toujours été à la mode. Oui, le blanc puis s'il est intemporel, il va toujours rester beau. Ça, c'est vraiment un classique, tout comme les gris qui sont devenus maintenant aussi des couleurs de base qu'on utilise dans toutes les pièces. Moi, c'est sûr que ça fait partie de mon école à moi, de s'amuser avec peut-être changer des accessoires, pas nécessairement en acheter de nouveaux, mais de les changer d'une pièce à l'autre. Moi, j'ai des housses, des coussins, par exemple. Au lieu de changer le coussin, ben je garde ma forme, je change la housse. Donc, il y a plein de façons de faire. Oui, puis là, ben la fameuse tendance en ce moment aussi, les prix des maisons sont fortement à la hausse. Donc, de rénover simplement pour revendre aussi, il faut faire attention à ça aussi. Parce que une salle de bain qui est encore bonne, ça ne veut pas dire que si on la rénove, ça sera au goût du prochain. Puis là, c'est des coûts, Puis jusque là, est-ce que le vendeur, le propriétaire-vendeur, est-ce qu'il a vraiment réfléchi, planifié? Oui. C'est qui l'acheteur potentiel de ce type de bâtiment-là? Hein? Ce qu'on appellerait en marketing le persona. Si la personne qui va acheter, c'est une personne qui, de toute façon, est bien belle la nouvelle salle de bain, mais la cuisine est due, la toiture est due, les portes et fenêtres. Tu viens de jeter ton argent... Par les fenêtres. Par la salle de bain. Oui. Parce que ce n'est pas les fenêtres qu'on a remplacées. Oui. Alors qu'à contrario, c'était peut-être un persona, un acheteur potentiel, bricoleur, premier acheteur qui veut rénover, tu sais, le couple qui va retrousser les manches. Donc, c'est inutile de mettre de l'argent dans un... Flip ou dans du home staging si on n'a pas identifié à qui s'adresse ce produit-là. Si c'est un clé en main puis qu'on fait une cuisine vite, économique, on vient de se tirer dans le pied, on perd de l'argent. Donc, il faut, encore là, si on veut passer par un designer, faire une étude de cas. Étude, oui, tout à fait. Étudier la chose. Ça va être important. En terminant, est-ce qu'on aurait... OK, non, mon Dieu. OK, est-ce qu'on a tout, Daniel? Mais moi, j'ai une idée pour la fin, là, mais est-ce que tu as tout? Vas-y. Ben, je vais les lancer sur une dernière. S'il y avait peut-être encore la fameuse question, une ou deux choses à retenir sur la tu sais, si tu veux avoir un designer, pourquoi tu vas vouloir avoir un designer, puis pourquoi tu vas vouloir travailler avec un designer? Okay. Qu'est-ce qui serait... Le suivi de chantier, on n'a pas parlé. Oui. Le mandat de suivi de chantier, ça, c'est un point important. Mais ça va être le temps de le puncher. Oui. Parfait. Ouais. Tu sais, s'il y avait une chose, tu sais, suivi de chantier, les deux points... Mais les deux points, pourquoi qu'un client dirait, ben mon projet... Non, mais en fait, si tu permets, Daniel, je vais l'amener autrement, parce que deux points, c'est pas... Chaque personne, ça change. Tu sais, comme personnellement, toi, Marie-Christine, qu'est-ce que, comme designer, tu recherches et tu... Tu sais, mettons, qu'est-ce que tu souhaites, puis toi. Tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est ça.
Qu'est-ce que j'apprécie de travailler avec une designer? Ben oui, ou tu sais, qu'est-ce que tu qui ressens, mettons, qu'est-ce de ça? Tu me dis, ben moi, tu sais, Saskia, c'est sûr que le plus important, ce qui est primordial pour moi, puis ça peut être chaque personne, là, comme, tu sais, c'est pas une règle d'or, parce que tout le monde travaille à sa façon, là, mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Si tu me permets, c'est, oui, qu'est-ce que toi, Marie-Christine, tu voudrais que ton client comprenne de ton travail? C'est ça. Ah, c'est intéressant aussi. Ben moi, là, je suis là pour la compagnie. Il faut pas qu'il me cache quelque chose, parce qu'on va aboutir à rien. Mm. Moi, je suis là pour être sa traduction de son bien-être. Mm-hmm. Tu sais, on a pas parlé de certification web et tout ça, mais tu as parlé un petit peu du bien-être. Mm-hmm. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que le client comprenne du designer? Qu'est-ce Absolument. Que toi, tu aimerais que le client comprenne du contracteur? Peut-être que ça pourrait être... C'est intéressant. C'est quoi un projet de rénovation idéal? Tu sais, d'une certaine manière, qu'il soit aussi, là, enfin... C'est, ouais. OK, on s'adresse toujours à monsieur, madame, tout le monde. Mm-hmm. On n'est pas des gens du milieu, fait qu'il faut garder ça en tête. Chose importante aussi, c'est le fameux suivi du projet. Qui va s'occuper de savoir, OK, là, je suis rendu à la plomberie, y es-tu rentré le plombier? Je dis ça, mais le suivi, c'est encore plus large que ça. Oui. En fait, c'est la phase qui va mettre au monde le projet. Oui. Donc, si on a une chose à retenir sur le suivi de projet, c'est de bien communiquer avec le designer et l'entrepreneur tout ce qu'on a comme souci, mais surtout de laisser le designer et l'entrepreneur faire un suivi main dans la main. Si ah, c'est ça. Comme ça. Mm-hmm. Donc, leur faire, il faut qu'en tant que client, on fasse confiance. Mm-hmm. D'où l'importance de faire un choix avec qui on, des personnes avec qui on se sent bien. Oui. Puis moi, comme entrepreneur, je préfère tellement que le client ait donné ce qu'on appelle dans le jargon le mandat de suivi de chantier au designer. Parce que lorsque j'arrive en réalisation, puis là, mes gars puis mes filles sont là, puis ils tiennent la poutre, puis là, ça avance, puis là, surprise. On a un bidule ou un truc ou un machin qui n'est pas à bonne place. Et là, si j'appelle le client va faire des grands yeux. C'est ça. Alors qu'à contrario, si j'appelle la designer parce qu'elle a le mandat de suivi, « Hey, Marie-Christine, tu sais, dans tel coin en haut à gauche, j'ai une retombée de plafond. Qu'est-ce qu'on fait? Veux-tu que je fasse un truc binouche? On fait plus grand, on se met des encastrés au dalles. » Et on vient vraiment trouver la solution là, coût-bénéfice sympathique pour le client. Et ensuite, bien sûr, Marie-Christine va faire autoriser au client. Mais on sort l'émotivité parce que émotivité... dans un chantier de réno. Il y en a c'est beaucoup. C'est contre-productif. Oui, le stress du couple. Puis là, ce qui arrive, c'est que, ce que Nicolas vient d'expliquer, c'est que si, étant donné là, que le designer va avoir fait les plans, étudiés, commandés, devrait avoir conceptualisé. Oui. Là, quand la petite chose bidule arrive, bien, tout d'un coup, le designer dit « Oh, attends, Nicolas, as-tu pensé à ça aussi? Puis peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être qu'on déménage ça de place. OK, attends, donne-moi 15 minutes, je le regarde au plan, j'appelle le client, j'ai fait un petit screenshot, puis je lui envoie pour que finalement, il puisse valider notre idée. Ça représente à peu près combien? » Ah, OK, parfait. Fait que je lui présente ça comme ça. Ça va coûter environ ça, mais on va le faire autoriser aussi. Dès le lendemain matin, 7 heures, le client va avoir à, si on veut, un papier ou directement sur le plan, Nicolas écrirait, voici le changement, merci de nous l'autoriser. Initial. Mm-hmm. Et on continue parce qu'il faut toujours garder en tête qu'on. Parce que chaque minute compte aussi. Hein? Absolument. Mm. Mais chaque signature aussi, le client, il faut qu'il autorise ce changement. C'est important. Ça, c'est tellement important ce que tu viens de dire parce que souvent, des deux côtés, hein, la communication, hein, le client, peux-tu me faire ça, l'entrepreneur? Ben oui. Mais dans la tête du client, c'est. Est-ce que tu vas me le faire gratuitement? Puis dans la tête de l'entrepreneur, je vais te le faire, mais je vais te facturer. Oui. Et il faut traduire ça avec combien ça va coûter cette différence d'intervention-là, combien de temps supplémentaire? Parce que si ça occasionne que je dois commander de la céramique supplémentaire, est-ce que ça va être le même lot? Est-ce qu'il va avoir des délais? Est-ce qu'il va être dans un conteneur entre l'Italie puis le Pakistan? On ne sait pas trop. Et surtout... En quarantaine au retour. Et surtout... Tout est possible, on ne sait jamais. Quel sera rendu le budget total? Oh, mais c'est juste 2000. Hey, c'est parce que ça fait 8 fois que tu me fais 2000. Mm. Fait que là, le projet, on est rendu à 20 000 $ avec les taxes. Mm. Donc ça, combien de temps et combien le projet total? Tout mettre, en fait, au clair sur papier avant d'aller plus loin ou avant de en commençant. Je veux toujours une signature du client. Si c'est urgent, une réponse par texto. Donc, j'ai une traçabilité. Oui. Puis, à la blague, une preuve.
Oui, oui. Puis à la blague, des fois, je voudrais quasiment un test de sang pour me prouver qu'il était à jeun quand il a dit oui, 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 vas-y, oui. Vas-y. T'sais. Jamais en fin de soirée. Parce qu'en fin de soirée, ils disent tout oui. OK. OK, parfait. Donc là, on a vraiment fait le tour. Qu'est-ce que toi, par exemple, Marie-Christine, tu recherches ou tu souhaiterais que les gens gardent en tête lorsqu'on est à la recherche d'une designer? L'important, c'est vraiment d'aller chercher le designer qui va répondre à nos besoins, mais aussi qui va avoir l'audace de les amener plus loin. De pousser un petit peu plus, oui, bien sûr. Puis se laisser accompagner. Le designer, c'est sûr qu'il va trouver le mieux, qu'il va chercher des aubaines, oui. Dans le sens, il va négocier des choses, par exemple, avec les fabricants, les fournisseurs de ce monde. Il va aussi faire en sorte de faciliter le travail avec l'entrepreneur. Oui. Puis donc, puis le suivi et tout ça. Donc, tout ça, tout l'ensemble, là, laisser le designer accompagner. Donc, il faut d'abord et avant tout lui avoir confiance. Ce que j'aime le plus, c'est le côté créatif. Souvent, il m'apporte des idées que même moi, j'aurais pas pensé. Puis pourtant, je baigne dans le domaine de la céramique. Puis des couleurs, on en a des milliers. On a énormément de collections. On a des couleurs qui rentrent tout le temps. On voit quand un designer arrive, qui est bien équipé, quand il arrive avec des échantillons d'armoires, de peintures, de comptoirs. Et c'est le côté créatif que j'aime parce que ça nous apporte, on dit l'expression « think out of the box », ça nous change de notre quotidien parce que nous autres, on est habitués de travailler avec le consommateur qui veut juste gris et blanc parce que c'est neutre et qui connecte. Puis c'est à la mode en ce moment. Exact. Oui, voilà, oui, je comprends. J'aime le côté créatif, mais ce que j'aime aussi, c'est un designer est un bon psychologue autant pour le client que pour les demandes des clients, mais pour ses émotions, parce que les émotions, les demandes d'un client changent au niveau de ses émotions. Puis lui, le designer, c'est le tempéreur. Il aide à faire l'effet d'entonnoir. Fait quand le designer, tu l'embarques dans un projet, tu t'en vas dans cette direction-là. Tu t'en vas pas dans plein de directions. Ce que le client, lui, est perdu au début, le designer, lui, l'amène dans une direction. Les clients, moi, je suis genre de cliente de même, c'est peut-être bien chiant, mais j'accompagne le designer pour aller faire le magasinage, parce que c'est, je trouve que c'est quelque chose de très le fun, puis c'est là, justement, c'est où on peut, tu sais, bon, ben moi, tu vois, Saskia, j'aimerais ça, ah oui, moi, je serais allée vers ça, puis là, trouver un compromis, ou dire, OK, j'ose, puis on va ailleurs, fait que ça, c'est, oui. Parce que dans la recherche des matériaux, là, il y a une complicité qui peut se faire, puis effectivement, moi, je veux que le client me dise « Oui, ta recherche, c'est bien, mais il faut laisser de la place. Ouais. Il faut que ça soit vaste. » Puis tout ça, ça vient dans la présentation des dossiers. Tu as fait des plans, tu as fait un concept 3D, mais tu vas aussi présenter une panoplie de choix en entonnoir, comme tu dis. Effectivement, on va s'en aller tout le temps vers… Qu'est-ce qui nous, à la fin, le choix final? On va donner des petits apéritifs, là. T'sais, on va offrir des petites bouchées, puis dire, voici ça, c'est... Oui, OK, on s'en va. Le fameux mood board là, qu'on peut créer, qui est tellement, tellement beau à voir. Nicolas? Puis un point tellement difficile pour les designers, c'est au début du projet, le client veut savoir combien ça va coûter. Oui. Hein? Saskia, combien ça va coûter aller au resto? Alors, on n'a pas choisi le resto, on n'a pas choisi le menu, on n'a pas encore choisi la bouteille de vin. Et comme entrepreneur, tant que je n'ai pas les plans finaux, je ne peux pas dire combien ça va coûter. Non, est-ce que je vais avoir un plafonnier ou 12 encastrés? Mais un petit truc que je fais le plus souvent possible, créer dès ce qu'on appelle les plans préliminaires, le premier jet, créer un lien avec un entrepreneur. C'est peut-être pas lui qui va avoir le mandat parce que la soumission n'est pas rédigée puis on ne sait pas encore le calendrier de réalisation. Mais amener un entrepreneur au chantier, lui, il va arriver, elle, bien sûr, lui, elle va arriver, il va dire « Hey, Marie-Christine, dans ton design, je pose la question, si au lieu de déplacer la toilette puis la colonne d'égout, si on tassait la porte, est-ce que ça fitterait? » Parce que là, je viens de sauver un bon 2 000-3 000 $. Donc, d'amener l'entrepreneur tout de suite... Le méchant qui va dire « Ih, c'est parce qu'on est rendu au moins à 100 000 dans ce que je vois là, dans les plans préliminaires. » Là, je sauterais sur le méchant. C'est pas le méchant. C'est, en fait, là, on vient de bâtir, tu sais. Mm. On vient de dire au client « On a ça, on a cette possibilité-là, on a cette possibilité-là. Tu le vois en 3D, tu le vois en plan. »
Puis voici la parole de l'entrepreneur sur comment on va faire les changements. Puis ces changements-là vont avoir un effet sur votre porte-monnaie. Fait que bravo. D'offrir les options, oui, en fait. Oui, oui, parce que s'ils veulent aller vers ce chemin-là, on va les amener là. Avant que la personne soit déjà dans sa tête rendue au bout du chemin, là. Il a tout planifié son beau voyage, trekking Costa Rica un mois, avec un budget de 1 000 $. Impossible. Ben. Souvent, je comprends. À la fin de moi, moi je suis à la dans les choix des matériaux de finition, fait que le trois quarts de la job a déjà été fait. C'est souvent moi qui dois closer le budget, puis quand il n'y en a plus, on doit trouver ce qui est se rapproche le plus de l'idée originale, mais avec le coût le moindre. Fait que des fois, ça nous sort de notre zone de confort, puis c'est là où c'est intéressant de travailler avec le designer, justement, parce que si on est pour sauver de l'argent, mais faire ça beau pareil, qu'est-ce qu'on a comme choix, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec? Absolument. Et je saute sur cette grande porte que tu ouvres ici, Isabelle, parce que vous êtes notre présentateur de la semaine design et aménagement, et Centura vous offre la chance de remporter un certificat cadeau de 1 000 $, donc pour aller vous gâter en boutique. Est-ce qu'on va pouvoir te rencontrer en plus, Isabelle? Vous allez pouvoir me rencontrer. Oh là là! Et ça, c'est un prix encore plus intéressant. Alors, c'est à gagner. C'est sur notre site districthabitat.ca. Vous allez simplement vous inscrire et le tirage des gagnants sera fait la semaine prochaine. Donc, je vous remercie tous les trois. C'est vraiment super intéressant. Je pense qu'on a fait amplement le tour, mais vous étiez très, très bon et très intéressant. Marie-Christine, Isabelle, Nicolas, je vous souhaite une super belle journée. Évidemment, pour en savoir plus et rencontrer aussi via le web toujours les autres exposants du salon, donc vous pouvez aller voir sur le site District Habitat pour les salons de Terrebonne et Brossard. On a plein de monde super intéressant à vous présenter via le web. Et si vous avez aimé la vidéo, obligez tous les trois et vous également de partager cette rencontre aujourd'hui. Et c'est tous les midis que je vous donne rendez-vous ici, donc pour l'émission Districtement Habitat. Bonne journée tout le monde, à bientôt. Et merci à tous les trois, vraiment. Merci. À un plaisir.